J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est bien moi, c'est Hazer. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas sourd. Vous entendez bel et bien le doux son de ma voix charnelle. Non, j'arrête tout de suite. J'ai cru comprendre que ça vous manquait énormément de, comment dire, de pas avoir mes commentaires. Et donc voilà, chose promise, chose due, j'ai récupéré un nouveau micro, j'ai récupéré un nouveau casque, pardon. Et donc je suis de nouveau opérationnel. Qui plus est, je vais avoir un tout petit peu plus de temps là durant ces 2-3 prochaines semaines, on va dire, incluant celle-ci, pour la simple et bonne raison que je suis en vacances. Mon patron m'a gentiment accordé 2 semaines gratos, comme ça il m'a dit tiens, vas-y, prends, reste chez toi. Et ben, je veux pas cracher dessus. Ma femme bosse, donc je vais être à la maison avec la petite. Je vais pouvoir vous popper un petit peu de vidéo. Par contre, après, comment dire, après les fêtes de fin d'année, début janvier, je vais me réabsenter pendant une période assez longue, ouais, on va dire 2 mois. Comme vous le savez, je suis actuellement en formation. Je suis en train d'apprendre à conduire un train. Et donc oui, pour moi, ça roule comme sur des rails et non pas des roulettes. Tout va très 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 bien. Et donc je vais rentrer dans la phase très intensive avec ce qu'on appelle nous dans le jargon les situations perturbées. Donc quand tout va mal sur un train, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des procédures, tout ça. Et donc voilà, je vais attaquer ça à partir du mois de janvier. Donc pour l'instant, on va laisser ça un petit peu de côté, on va revenir dans le vif du sujet. Vous m'avez énormément manqué, ça m'a fait vraiment chier, hein, et je mâche pas mes mots quand je vous dis ça, de ne pas pouvoir vous poster de vidéos déjà de par ma formation du début. Hein, j'étais à fond dedans, je suis toujours à fond dedans, mais bon, vous comprendrez que dans la vie, il y a des priorités. Ensuite, quand j'ai repris un petit peu le jeu, comment dire, sur la 9.4, bah, j'avais plus de micro, ma petite, elle en avait fait une petite boulette là, qui traînait par terre. Et donc, croyez bien que ça me fait super plaisir de revenir à vos côtés aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, bien évidemment, j'ai encore changé le pseudo, comme tout le temps, hein, ça c'est une chose qui ne change pas, et la prochaine fois, bah, serait peut-être incessamment sous peu, ça dépend mes humeurs, ça dépend mes envies aussi. Donc voilà, mais vous serez très vite informé, de toute façon, dans votre liste d'amis, si vous voyez quelqu'un, un nouveau pseudo que vous ne connaissez pas, vous pouvez être sûr comment dire, à 90% que c'est moi qui ai encore zappé, qui ai encore changé. Donc, on revient à nos moutons. Aujourd'hui, objectif 268, faire preuve d'audace pour gagner sa partie. Donc, je vais vous présenter une petite game en somme toute normale. Il n'y a pas de particularité spécifique, si ce n'est 2 moments où, au niveau de mes moves, j'ai été plutôt lucide. J'ai fait preuve de réactivité surtout. Hein, c'est ça qu'il va falloir regarder. Savoir comment j'ai agi sur le moment. Hein, comme d'habitude, on va pas changer comment dire, un truc qui fonctionne. Le but pour moi est de vous transmettre mon savoir. Et oui, parce qu'il y a quand même un petit peu de savoir dans tout ça. Et donc, je vais arrêter de bavasser. Et je vais vous lancer la partie. Alors, si je retrouve le fichier, normalement c'est celui-ci. Boum, ça tourne. Ah, l'écran qui fige, c'est bon. Ah, voilà, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon quand tout se passe bien? C'est un truc de dingue. Donc, on est parti dans la game. Objectif 268. Donc, oui, je rejoue depuis pas très longtemps. J'ai vu qu'il y a pas mal de mises à jour. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus de mode. Hein, je me suis pas emmerdé à réinstaller tout ça. Hein, je joue sans. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ça fonctionne très bien également. Et donc on peut voir que nous sommes sur cette vieille et chère map Col de Montagne. Donc Col de Montagne que j'apprécie particulièrement jouer soit en Eevee soit en Medium. Pas de bol, je suis en TD. Donc il va falloir que je me démerde avec ça. A savoir que là c'est pas évident quand je regarde un petit peu déjà les panneaux latéraux au niveau des équipes. Donc on va faire comme à l'ancienne, on va faire tomber ce petit chrono qui va bien. Hop, hop, 1, 0, pause, voilà, c'est bon. Donc, il y a un truc qui me chagrine énormément dans cette partie, comme je le disais, c'est que là, vous pouvez voir hein, où je survole avec mon curseur, il y a 1, 2, il y a 2 médiums, bon allez, on va prendre le Patton, 3 médiums et un light, et en face, on peut voir que là, c'est festival, c'est folklore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 médiums et, comment dire, un char léger. Donc là, moi, je connais la map. Pour l'avoir déjà joué Clan War et à l'avoir joué également à de nombreuses reprises, et je me dis c'est vraiment pas bon, ça pue, c'est vraiment une map, c'est une map, une pure map à médium. Plein d'endroits où on peut se faufiler, où on peut prendre l'avantage, comme d'habitude. Comment on gagne une partie en prenant un gros visuel sur la map, hein. Plus on voit, mieux c'est. Surtout qu'on peut voir que là il y a 3 artis de chaque côté. Donc pour les faire bosser, ben, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un médium pour donner l'information, pour prendre la vision? Eh ben je ne sais pas, c'est certainement pas un bon gros IS-7 des familles qui va faire le job, ni un E100. Et donc là, je me dis, ça pue, ça pue. Donc moi, en TD, qu'est-ce que je fais lorsque je suis sur cette map? Eh ben, j'attends de voir un petit peu ce qui se passe.
En temps normal. Et là, d'autant plus que je vois une tripotée de médiums qui vont me tomber dessus. Si je me fais circle, je suis dans la merde. Donc je sais que là, je vais devoir temporiser, analyser un petit peu, voir comment ça se passe sur ma minimap et agir en conséquent. C'est malheureux, je ne peux pas faire preuve, comment dire, d'initiative, tout simplement parce que mon char, il n'est pas adapté. J'aurais eu un médium, peut-être que, et encore, parce que là, on peut voir qu'il y a vraiment une nette supériorité. J'aurais peut-être pas fait le farfelu ni le foufou, comment dire, dès le début de partie. Donc, je vais mettre un petit peu de son pour le casque. Hop. Et merci, hein, en plus, j'allais oublier, hein, pendant qu'on roule, là, il se passe pas grand-chose. Merci à vous d'avoir été plus d'une centaine à voter pour la petite intro, là. J'espère que ça vous fait plaisir. J'ai réussi à faire ça à mes heures perdues, là. Je sais pas trop quoi faire. Je dis, tiens, je vais essayer de faire une petite intro, ça fera un peu plus professionnel. Et donc, merci à vous d'avoir fait votre choix avec cette intro numéro 2 qui est arrivée largement en tête. Donc, on peut voir que là-bas, on a un médium qui part à gauche, c'est quoi? C'est un objet 140. Ok, il part à gauche tout seul, il a tout compris au film. Là, le 50ème, il va prendre une info. Donc là, je vais essayer de vite faire une décale pour pouvoir claquer un premier POC. Et me reculer, bien évidemment, parce qu'après, ce sera merguez, hein, je pourrais plus rien faire. Donc là, je resserre, il y a une IS-7, ok, waouh. Je la lâche, mais hein, là, j'étais vraiment en mode sans conviction. Bon, on peut voir que le système s'allume, je suis détecte, donc marche arrière, hop. Donc là, on peut voir qu'au sud, regardez, il y a un médium qui pop. Ok, pour l'instant, ça va. Ah, deux médiums, trois médiums. Oula, là ça va un peu moins bien. Donc je me dis, ok, a priori, il risquerait de se mettre sur le petit bout de falaise où j'ai mon curseur là, actuellement. Enfin, le petit point vert. Et donc, hop, je me dis, ça va venir ici, hein, obligé. Donc je reste focus, je me tiens prêt à mettre une première petite pastille. Et personne qui vient. Bon, ok, on garde la position. De toute façon, hein, là on peut rien faire. C'est malheureux, mais on ne peut rien faire. Et là, je vois les trois médiums qui sont au coin, vous pouvez voir. Tout de suite, j'en profite pour me reculer. Je serai plutôt safe derrière mon gros rocher là et je pourrais essayer de temporiser un petit peu. Parce qu'on peut voir que derrière moi, il y a quoi? Bah, il y a un médium qui se promène là. Je sais pas ce qu'il fait derrière. C'est quoi? Le 50ème, il se promène, il attend que ça se passe. Et je suis entre guillemets la dernière ligne défensive pour protéger mes artilleries. Donc là, bah, on attend. On peut voir qu'au nord, nos heavy sont en train de pousser. Le petit léger qui suit, un TD derrière eux. Sur le pont, c'est quoi qui est en train de s'engager là? Ah merde, je peux pas voir parce que je suis en mode snipe. Je sais pas ce que c'est. Il y a un Eevee qui est en train de rush sur le pont là. Normal. C'est quoi? C'est un Esther. Ok, il est déjà quasiment mort. Bah, il est mort. On n'en parle plus. Voilà. Donc là, hop, on voit que les meds sont en train de se faire rush de l'autre côté. Donc on va essayer de donner du support. Mais c'est vraiment, vraiment pas évident. Là, on se décale. Ah, un petit object là. On va essayer de mettre un petit quelque chose. Hein. Donc là, on focus. On se tient prêt. Normalement, on est pas mal. Et là, bam, je tape dans la carcasse du. C'est un E100, je crois. On tape dans la carcasse du Eevee. Ça ne sert à rien. Ok, 3-4. Bon, c'est pas perdu. On a réussi à pousser au nord. On prend la position. Et là, bon, bah, on attend. C'est pas. Le début de cette partie, il est vraiment pas tip top. Là, hop, on essaie d'en remettre une à l'objet 140. Mais le temps qu'il tire, je tire, il recule. Voilà, j'ai qu'un bout de tourelle, je tire à côté. Normal, entre guillemets. Et donc là, tempo. Et là, par contre, c'est dommage, j'aurais dû économiser mon obus. Je l'avais bien. Mais bon. On peut pas être parfait à tous les coups. Donc là, ok, bah on attend, c'est malheureux à dire, mais on attend que nos chers camarades se fassent déboîter. Hein, y a rien d'autre à faire. Alors là, on peut voir qu'en face de nous, il y a 4 médiums, un light. Là, s'ils me rush, je me fais déboîter. Clairement. Donc là, dans un premier temps, je vais pas tirer. Je vais juste prendre de l'information, voir ce qui se passe. Voilà, donc on peut voir un léger plus un médium qui bouge. Ok, donc là, je suis détecte. Je bouge un petit peu, j'ai pas envie de me faire ouvrir. Et là, une fleur, un bel IS-7. Donc lui, par contre. On va peut-être pas non plus, comment dire, coller des gommettes toute la partie. Hein. On va aller lui en mettre une belle. Voilà, en plus là il a 160. Et voilà, il y en a plus, il est mort. Le léopard il va m'en mettre une. Hop, il me bounce, normal. Ok, je me recule. Et voilà. Donc là je suis safe. Je suis safe, mais je suis quand même dans la merde. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de médiums. Et je suis tout seul. Voilà, c'est simple, tout seul. Il y a un. Hop, il me crack. Il me reste un kit, pas de bol. Pan, au revoir. Merci, messieurs, dames. Ça c'est fait. Donc, on en a nettoyé deux, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a repéré un T62A là-bas en haut. On a repéré qu'il y a un médium qui a sauté dans la fosse. Ok. On a notre médium qui se décide enfin à bouger à notre gauche. Là, on peut voir qu'il descend la falaise. Et donc là, bon, on va attendre. Hein. On va rester encore en tempo. On va attendre que le médium arrive, voir ce qu'il va faire. Et on va essayer bah, de s'adapter surtout à l'environnement. Et donc là, vous allez voir, premier move de ma part. Voilà, regardez à gauche, l'artillerie qui pop, là-bas. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. Y a aucun problème. Mais je me retourne pas dessus comme un gogol pour aller la défoncer. Pourquoi? Bah, qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'il y a des médiums et une pauvre artillerie qui se promène dans le fond de la map? Vous voyez, je l'ai vu, hein, j'ai bien compris ce qu'elle essayait de faire, elle essayait de me shooter.
Mais moi je suis plus malin, je vais m'occuper d'un T62A. Là je vais donner du support à mon 50M sur le léopard. Donc là hop, ok, pan, on lui met une grosse boîte. Et notre 50M va pouvoir finir le boulot. Donc là vous voyez, rien que ce petit instant, j'ai rien foutu de ma game, hein, ça fait 5 minutes que, un peu moins de 5 minutes que la partie a commencé. C'est le seul mouvement que je fais. Mais il est quand même assez réfléchi, pourquoi? Bah parce que je me décale. Je vois une artie à ma gauche, je la néglige littéralement pour aider mon M. Tout simplement, je neutralise un T62A, je saute dans la comment dire dans le trou là, dans le canyon, dans tout ce que vous voulez, dans la flotte. Je me retourne, je mets une grosse pastèque au léopard, le 50M le finit, ça fait deux médiums en moins, l'artillerie je sais où elle va pas courir bien loin, et d'ailleurs là je vais aller la chercher. Donc ça c'est vraiment le premier move de la partie où il faut réfléchir. Faut pas, une fois qu'on voit l'artillerie détectée, il faut pas s'arrêter comme une betterave, tourner son châssis et puis lui courir après. Il y a bien plus important à faire avant. Et vous allez voir que là je vais quand même réussir à aller faire le job. Donc là, coup de bol, le médium qui me loupe, l'artillerie qui me loupe. Donc là, bon, j'ai quand même un petit peu de bol. Là, j'ai toujours 1950, je suis full, je suis bien, tranquille. Donc c'est à 11 à 10. On peut voir que c'est quand même assez mal barré, mine de rien. Là, on a 80% de cap. Ça pourrait bien se finir. Je dis bien, ça pourrait. Donc là, vous voyez, hein, l'artiste, ça servait à rien de perdre notre temps dessus parce qu'on vient la récupérer maintenant. Tout simplement. Donc ça, c'était le premier move. Retenez bien, soyez très pertinent dans vos choix de cible et vous verrez que bah, qu'après, ça fait la game, ça fait le café. Donc là, 13-10, la base a été reset. Ok, le T57 IV est mort, l'artillerie l'a défoncé. Ça, c'est pas cool. Donc il reste le M, moi et deux artis. En face, il reste une artillerie Batchat. Donc on peut considérer que c'est un char. Hein. Vous avez déjà vu dans quelques-unes de mes vidéos comment l'artillerie peut être jouée également, la petite batte. Hein. Elle n'est pas forcément là pour tirer de loin. Elle peut aller au contact, elle vide son barillet et puis au revoir messieurs dames. Et donc là on. Et alors. Là le M il se fait défoncer. L'objet 140 à 146 PV. Là il y a un choix à faire. Il y a un choix très logique. C'est de courir après le médium ou de le faire venir à nous. A savoir que là, si je lui cours après, j'ai perdu d'avance. C'est même pas la peine que j'entame la bataille, je suis sûr de perdre. Donc dans ce cas-là, je vais aller sur la cape et je vais essayer de manipuler mon char, de le positionner le mieux possible de manière à bah, éventuellement me faire rush et pouvoir bloquer l'ennemi, me repositionner, enfin bref, essayer de sortir de la mélasse. Donc là, c'est audacieux ce que je vais essayer de faire. C'est pour ça que la game, je l'ai... Vous avez vu le mot audace, c'est que là je fais une chose qui est d'habitude je ne fais pas, c'est-à-dire me donner à un médium, mais là bon je me dis quand même il doit y avoir une carcasse sur la cape. Si je suis malin, il y a quand même possibilité, je peux, j'ai encore full PV, il y a encore possibilité que je remporte la game, même à moi tout seul, et en plus là j'ai pas le choix parce que courir après un médium ce serait littéralement useless. Donc là je me fais insulter d'idiot. Voilà, parce que je ne suis pas allé courir après un objet 140. Mais bon, on sent, moi, c'est les doux plaisirs de ce jeu. Hein. J'en ai insulté pas mal depuis que j'ai repris d'ailleurs. Et donc voilà, donc là on attend, on se met en position. Voilà, là je réfléchissais un peu à comment je vais me mettre, de où il va arriver. Il est descendu à droite, il était sur le pont, là il va back, c'est une certitude. Mais par où il va arriver? Est-ce qu'il va arriver de là? J'en doute. Ou est-ce qu'il va arriver de derrière? Mais bon, je préfère rester comme ça parce qu'on ne sait jamais. Hein. Si le mec c'est un noob, bon, il pensera peut-être pas à faire le tour et à descendre par le pont. Donc pour l'instant, stand-by. Attends, hop, qu'est-ce qu'il dit lui? Lui il est encore en train de la ramener, il a rien branlé de sa partie, mais il est encore en train de l'ouvrir. Donc là, il est dans mon dos, ok, là je me dis ça va, il m'en met une, bon, j'ai encore 1605, et, pas tout... et là j'ai quand même du bol, parce que l'artibat elle arrive, et là regardez, hop, petit mouvement, je la pète, moi là je suis tranquille. Je sais que l'object il peut m'en claquer 3-4 et là il fait une grossière erreur. Plutôt que de reculer derrière la carcasse du Foca là, du T57 IV, il décide de m'engager au cac. Et là regardez, voilà, il est dans la merde. Donc là il perd sa partie. Hein. Clairement c'est lui qui perd sa game parce que même à 146 PV, il pouvait me fumer. Clairement. Mais là il a très mal agi. Moi j'ai fait. Bah, j'étais audacieux encore une fois. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour m'en dépatouiller du mieux possible. Hein. Et voilà. C'est la victoire. Donc il fallait vraiment voir ce dernier move, la lecture de jeu, à un moment ne pas sauter sur une artillerie bêtement, apporter notre soutien à notre médium, ça nous a permis de gratter deux médiums de l'équipe adverse. Si j'avais pas fait ce move là, j'avais sauté sur l'artie dès que je l'ai détecté, on peut être sûr que mon E50M il se faisait littéralement destroy, et qu'à la fin de la partie, là maintenant où je vous parle, au moment où je gagne la game, il restait pas seulement un objet 140 et une artibat, hein. Il restait un léopard, un objet 140, un T62A,
et une Artibat. Vous pouvez voir comme quoi, en une fraction de seconde, la lecture du jeu peut influencer sur l'issue de la bataille. Tout simplement. Voilà les amis, je vais vous mettre le petit résultat de bataille, si je ne m'amuse. Attendez, il est où que je me le mette sous les yeux, parce que j'ai tout un brin là-dedans, c'est un merdier pas possible. Donc, résultat battle, il est là. Donc, on peut voir que je prends quand même 6 kills, petite médaille de guerrier. Bon, 10 tirs, 7 qui touchent, dont 7 qui percent. Donc c'est plutôt pas mal. 2399 points de dégâts, plutôt pas mal. 780 de bloqués par mon blindage. 2501 points de dégâts grâce à mon aide. Et donc voilà, 6 ennemis détruits et une belle partie quoi. Surtout la victoire. Et donc voilà, on va finir là-dessus. J'espère que ça vous a fait plaisir. De mon côté, bah, ça m'a fait super, je le répète, ça m'a fait super plaisir de vous reposter une petite vidéo, surtout les commentaires qui vont bien. J'avoue, c'est vrai que c'est pas tip top comme je vous le faisais sans ma voix. Mais bon, c'était toujours mieux que rien. Je me suis dit, plutôt que de rien mettre, mets un petit quelque chose, même si t'as pas forcément le temps, si t'as pas surtout pas le micro, comment dire, sur les 2-3 dernières semaines. Fais un petit quelque chose. Bon, j'espère que ça aura su vous faire patienter un petit peu. Moi de mon côté, je reviens encore plus chaud que jamais. Et puis ben voilà, je crois que tout est dit. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.